Je lui ai dit, écoute, sors de ma voiture. J'ai pris ses affaires, je les ai mis dehors et j'ai appelé un Uber. Aujourd'hui, elle est partie sur le reste du monde. J'ai décidé de couper contact totalement avec cette fille. Avec Kéline, j'ai décidé de couper contact, que ça soit sentimentalement parlant ou amicalement parlant. Sentimentalement parlant, par rapport à ce qui s'était passé avec AD, le fait qu'elle avait mangé avec ses deux ex, Bastos et AD. Même pour si certains, pour certains, c'est pas grave. Qu'elle ramène aussi son ex chez moi, ça m'avait un peu gêné. Pour certains, c'est pas grave. Et après, pour moi, c'est grave d'aller manger avec ses deux ex quand t'as des sentiments pour quelqu'un d'autre. Pour elle, c'est pas grave et il faut le respecter. Chacun son point de vue. Mais c'est pour ça que moi, de mon côté, sentimentalement, c'était impossible. Parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais ça, il faut le respecter. Comme elle, je respecte le fait que pour elle, ça soit normal. Bah, pour moi, c'est anormal. Et c'est pour ça que moi, je lui dis que elle et moi, ça sera pas possible qu'on se mette en couple. Et amicalement, j'ai été un petit peu déçu de certains propos qu'elle avait. Parce que moi, je trouvais qu'elle me respectait pas, que ce soit moi, ni ma religion, ni moi, ni mes principes, ni tout ça. Et du coup, je lui ai dit que moi, une amie comme ça, j'en voulais pas dans ma vie. Sur beaucoup de points, on n'était pas d'accord et sur beaucoup de points, amicalement parlant, on se prenait la tête fort. Enfin, moi, je lui prenais la tête parce qu'elle faisait des trucs qui me sortaient de la tête. Par exemple, quand elle a adopté le chien, pendant 3-4 jours, elle lui donnait des croquettes pour adultes à bouffer. Pendant 3-4 jours, le chien, il bouffait des croquettes pour adultes alors qu'il avait un mois et demi. C'est-à-dire que le chien, il bouffait des croquettes de 1 cm alors que c'était un bébé. Deux fois, elle l'a secoué devant moi parce qu'il s'était étouffé. Et je lui ai dit, mais t'es une malade mentale. Je lui ai dit, ça fait 4 le chien, t'es pas foutu d'aller lui acheter des croquettes pour bébé. Et moi, c'est des trucs qui me mettaient hors de moi et pour lesquels je me disputais avec. Ensuite, elle me dit, écoute, Dylan, je me sens seul, je peux dormir chez toi. Je dis, ouais, pas de souci, mais oublie pas que moi, je suis pratiquant. C'est-à-dire que ton chien, voilà, il va rôder à la maison. Si tu peux au moins le sortir pour pas qu'il chie chez moi. Mais madame, elle se couche à minuit, elle se lève à midi. Du coup, moi, je me lève, il y a plein de partout et plein de pisse partout. Déjà que c'est interdit dans l'islam, le chien, mais en plus, s'il chie et pisse partout, ça le faisait pas trop. Après ça, bah, je lui ai dit, écoute, Kéline, je préfère que tu dormes plus chez moi, je préfère que tu dormes chez toi. Bien évidemment, vu qu'on n'était pas en couple, moi je ne couchais pas avec et on faisait rien ensemble. C'était juste le fait d'avoir le chien chez moi, ça me mettait hors de moi parce qu'elle faisait n'importe quoi avec le chien et ça créait des disputes, que ça lui donnait de la mauvaise. Ou alors que le chien il s'étouffe devant moi et tout, ça me mettait hors de moi. Par exemple, un jour, je lui dis, écoute, viens, on va faire du buggy, machin, on va dans le désert et tout. Elle dit, ouais, je peux prendre le chien avec dans le désert. Je lui dis, bah, si tu veux prendre le chien avec dans le désert, tu le prends avec, il sera cool dans le désert et tout. Prends le chien sur le buggy. Je dis, Kéline, moi dans le buggy, je roule comme un malade. Je vais mettre la musique à fond dans le buggy. Ton chien, il peut pas aller sur le buggy. C'est risqué, quoi. Tu vois, en plus, il y a des dodanes et tout. Enfin, des dunes et tout. Il peut s'envoler. Elle me dit, non, non, t'inquiète. Viens et tout ça. Je roule, dodane, tac, 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 machin. Je roule à fond pendant 3 minutes. Du coup, normal, parce que vu qu'on doit suivre un moniteur, on roule normal et on roule assez vite. Je m'arrête, je m'arrête, je pète, je m'arrête. Et je dis, tu vois, Kéline, ton chien, il est en train de s'étouffer. Là, il est là. Le chien, il avait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et il était en train de, dans le désert, en train de suffoquer. Il était comme ça. Je dis, et je sors de mon buggy, je lui dis, Kéline, mais t'es une de cassos. T'as aucune éducation, mais tu sais vraiment rien faire. Même t'occuper d'un chien, tu sais pas faire. C'est que ton chien, là, il est en train de crever. Si je m'arrête pas, tu me dis rien. Et je m'arrête et je dis, tu sais quoi, Kéline, la responsabilité, moi. Après, on va dire, c'est Dylan qui a le chien. Je vais pas prendre moi la responsabilité. J'ai dit, tu te bouges ton buggy et tu te ton chien, tu poses ton chien au sol, c'est pas normal que tu prennes un chien de 2 mois sur un buggy. Et c'est des trucs qu'elle faisait qui me mettaient hors de moi. Genre des ça, genre d'où tu prends un chien de 2 mois sur un buggy, de mes propres yeux, il était en train de s'étouffer. Même le moniteur, il lui a dit, écoute, Kéline, c'est vrai que c'est pas adéquat pour le chien. Mais non, elle est butée, elle veut prendre son chien, faire des photos dans le désert et tout ça. C'était que des disputes comme ça qui étaient tellement. Pour nous tous, hein, parce qu'on lui disait tous, j'étais là avec mon cousin, avec le moniteur et tout, on lui disait, Kéline, c'est pas normal que tu mettes ton chien sur le buggy. Ouais, mais c'est pas grave, c'est qu'un chien. Ouais, mais c'est qu'un chien qui a 2 mois, qui a été abandonné dans la rue, qu'on ne sait pas s'il est en bonne santé, vraiment. Et c'est des trucs qui faisaient que moi, ça me mettait hors de moi. Et je lui parlais vraiment comme ça, et j'en suis désolé, et je vous dis la vérité, je lui disais, mais t'es une cassos de mettre ton chien sur le buggy, alors que tu sais comment je roule, tu sais qu'il y a des dunes, tu sais que. Et je pétais des câbles comme ça et ça me mettait hors de moi et du coup j'étais mal à l'aise, du coup l'activité j'étais pas à l'aise parce que je venais d'engueuler Kéline par rapport à ce qu'elle avait fait avec son chien. Et je disais à mon cousin, putain, t'as vu, dans l'état qu'elle me met parce qu'elle sait pas ce chien. Et c'était que des trucs comme ça. Un jour on est dans la voiture, non un jour, ouais il y a pas longtemps là, c'est d'ailleurs c'est là où j'ai coupé contact direct parce que c'était la goutte de trop. Avec deux amis,
deux amis qui s'intéressaient fort à l'islam, qui voulaient se convertir, et on avait une discussion sérieuse où on parlait justement d'islam et tout ça. Et on parlait de religion et tout ça. Et à un moment donné, pendant la discussion, elle fait une blague. Et je dis, écoute, j'ai dit, s'il te plaît, Kéline, là on parle, bouge, s'il te plaît, parce que là tu viens avec tes... On parle sérieusement, là on parle d'un sujet qui est un peu important pour nous, tu vois. Elle va dans la voiture, après je monte dans la voiture, on part. Et dans la voiture, elle me dit, ouais, c'est pas normal que tu sois buté comme ça dans ta religion et tout ça. Et là, je m'arrête. Là, je m'arrête au milieu de la route. Hein. Je m'arrête et je dis, d'accord. D'ailleurs, c'est-à-dire que même ma religion, tu la respectes pas. Même me dire des trucs comme ça, elle me dit, ouais, reste buté avec les gens comme toi. C'est-à-dire que pour elle, reste buté avec les gens comme toi, même si c'est pour certains, c'est qu'un mot. Mais le fait qu'elle m'ait dit ça, moi, je l'ai pris, genre, reste buté dans ta religion m'a dit ça, moi je l'ai pris genre reste buté avec les tarés comme toi. Je l'ai pris un peu comme ça. Et là je lui ai dit, je suis sorti de la voiture, je suis au milieu de la route, hein. Je suis sorti de la voiture et je vous le dis, j'ai pas honte. C'est-à-dire que je dois vous dire les trucs positifs qui se passent dans ma journée, comme je peux vous dire maintenant les raisons parce que vous me posez une milliard de questions par rapport à moi et Kéline. Je suis sorti de la voiture, je l'ai fait sortir de la voiture, je lui ai dit écoute, sors de ma voiture, j'ai pris ses affaires, je les ai mis dehors et j'ai appelé un Uber, je lui ai fait monter dans l'Uber et je lui ai dit écoute, toi et moi, c'est-à-dire que toi, je ne te veux même pas en tant qu'ami. C'est-à-dire que du moment que tu me respectes pas, ni moi, ni ma religion, ni mes potes, ni ton chien, j'ai dit, moi je ne veux pas d'une amie comme toi dans ma vie, et j'ai coupé contact court, et on s'est enlevé des réseaux, on s'est bloqué. Aujourd'hui, elle est partie sur le reste du monde, bien évidemment sans son chien qu'elle a dû, je ne sais chez qui, à Dubaï. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais voilà, j'ai décidé de couper contact totalement avec cette fille, et je ne veux la veux ni en amie, ni en tant que meuf. Voilà, comme ça c'est clair, et vous pouvez arrêter de me poser cette question.